Le bon doute ou le mauvais doute? Est-ce que vous connaissez la différence? Alors, le mauvais doute, c'est quand on doute de soi, quand on est dans l'auto-flagellation. En Human Design, le doute, eh bien, c'est quelque chose de collectif qui doit servir à l'humanité. Donc, le bon doute, en premier, par rapport à vous, c'est est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais les choses, les questions, est-ce que je me pose les questions pour améliorer pour toutes les autres personnes autour de moi? Si je suis dans le flou, ou si je suis dans la clarté. Donc le doute, il permet vraiment de guider les autres. Et donc la question fondamentale à vous poser, est-ce que mon doute sert l'humanité pour la rendre plus belle? Les bénéfices, quand on est dans le bon doute, ça amène de la clarté intellectuelle, de la clarté émotionnelle et de la clarté dans vos actions. Les résultats, eh bien, c'est d'avoir une longueur d'avance et d'avoir un temps d'avance. Donc, acceptez de douter, non pas de vous, mais de tout ce que vous pourriez améliorer au service de l'humanité, pour cette nouvelle humanité, avec plus de fraternité et plus de sororité. C'est à vous.